Sur Euro Truck 2, pas Car Mécanique, sur Euro Truck 2, Car Mécanique c'est une autre série. Et donc voilà, on va continuer sur cette lancée, je sais plus où on était en Grèce je crois. Hein. Mais F2, non F3 et remet F2, remet encore F2, voilà, tu peux repartir là. Allez, on est parti, parce que la vitesse quand même c'est mieux. Ouais, mais s'il ne veut pas démarrer. Ah oui, merde. Oui, il veut. Ah, attends. Start, on a un petit problème de volant. On a un petit problème des volants, ce serait mieux avec un G27, mais bon, on va faire avec. Ouais, c'est vrai. C'est tout bon. Donc on est reparti après ce petit désagrément qui dure une minute. Donc on est quand même pas mal loin. Donc voilà, on va pouvoir partir au loin. Et voilà, on est parti. Let's go. On se croirait dans Mario là. Donc combien de temps il nous reste encore? Allez, donne-nous le temps, donne-nous le temps. Allez, bouge ton huc! Putain, il est rare en plus. J'aurais peut-être dû faire. Je sais plus si je veux pas. Il nous reste encore 46 heures, les gars. Ah, mais c'est vrai. Là, si tu veux, tu peux appuyer sur F3, F3, deux fois. F3. D'accord? Voilà. Donc, il nous reste 46 heures de trajet. Avec King Kong Simulator au volant. Je sais pas si c'est une bonne chose, mais pour l'instant, en tout cas, ça en est une. Pourquoi? Pour l'instant, je veux dire. C'est pas ce qui va se passer après. Mister. Là, nous sommes en Grèce, je crois, si je me trompe pas, c'est ça? Normalement. Non, non, si je me trompe pas, on est encore en Grèce. Comment on va faire? Je sais pas savoir. Mais non. Pourquoi elle? Alors moi c'est la carte. Tu sais qu'on n'est pas sur Euro Truck 1. Non, moi ça m'affiche. Sur mon PC. Ah bon? Ouais. Moi que c'est ça. Ça c'est virgule. Zéro. Non, c'est sûr. Oui, on est en Grèce. On est à Athéna qui écrit Athéna. Donc n'hésitez pas aussi à liker, à commenter ou à mettre d'autres. En plus tu auras que de la petite route. C'est chiant. Que de la petite route. Parce que là en gros tu quittes la grande route et tu vas traverser la Grèce en petite route. Ça va être énorme. Donc voilà, j'espère qu'il va un peu mieux tourner là. Ça va être chiant. Putain, j'ai peut-être dû booster un peu l'ordi parce que là il va. Ouais, je sais pas ça. Bon,
C'est pas le but de faire des proutes avec sa bouche, mais bon, là il est en train de rendre l'âme, on en dit quand même. Quand même, je préfère jouer avec Car Mécanique Simulator, hein, il tombe 3 fois mieux. Et le pire, c'est que pour le style de jeu que c'est, non, ça devrait tourner encore plus vite. Mais bon, c'est peut-être dû au mode. Donc voilà, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. Bien, ouais, me dire principalement, après ma boucle de verra aussi. Enfin, Tinko Simulator. Ouais, du mammouth, il y en a combien des mammouths en France? Il y en a tellement qu'on les compte même plus. Il va pas se couler. Non. Si. Non. Si. Non. Surtout qu'en plus, ça, je l'ai déjà fait avant toi, ça. Parce que. Oui, je l'ai déjà fait avant toi. Je suis déjà passé par cette route et tout. Donc. Je suis pas passé par le hein? Mais tu y es pas passé, t'as jamais joué toi là-dessus. J'ai joué dessus. T'es déjà allé en Grèce? Oui. Ah merde. Mais moi je l'ai fait en vidéo. Ah, toi tu l'as fait en vidéo, pas moi. D'ailleurs t'as vu certainement. Voilà, n'hésitez pas à laisser un commentaire s'il y a quelque chose qui vous chagrine. Par exemple, je sais pas, il conduit mal. Moi ouais, vous pouvez ça. Pas me le dire, je conduis comme un dieu. Mais bon, si vous voulez, dites-le, hein, je m'en fous. Après, n'hésitez pas aussi à suivre ma chaîne, non, ma page Facebook, Twitter et Google+. Je répondrai très volontiers à toutes vos questions ou pas de questions, ça dépend. Ce que... Les commentaires. Voilà. Et peut-être que je ferai aussi quelques vidéos en multijoueur sur ETS2. J'arrive à la connexion est bien, peut-être que je les ferai pas en facecam, c'est la seule différence, mais sinon je pense que ça marchera. Après peut-être avec ce Gus aussi je le ferai, mais ça dépend quand lui il aura son ordi. Bientôt, j'attends juste les sous-sous. Et ouais, donc voilà, et moi je en fait je m'emmerde. Ah, il s'est fait doubler par une de 106. Il s'est fait doubler par une de 106. Ah, la douille. Non, mais ce que je veux dire par là, en gros, j'ai essayé de faire un live, mais ça n'a pas tourné comme il faut. Parce qu'en gros, au lieu où je tourne mes vidéos, comment dire, la Wi-Fi est revenue avec la fibre. Mais en gros j'ai la Wi-Fi, j'ai la connexion dans l'endroit où je tourne. Mais on va dire qu'elle est un peu aléatoire. Elle est là quand elle veut, si elle veut pas, elle vient pas. Voilà. Donc c'est un peu chiant pour faire des montages, ben, pas des montages, des lives. Donc j'ai essayé d'en faire un hier et j'y suis pas arrivé. Et en plus, le Gus il n'a même pas répondu. Invité et tout, il m'avait pas répondu. Donc voilà. Sinon, il regarde même pas ses trucs sur Gmail et tout le bordel. Non, je regarde pas sur le bordel. Enfin, je regarde. Là, t'es même pas passé, t'as déjà fait tomber le panneau. C'est ça. Ah, là, regarde. Je suis trop fort. C'est descendu. Oh, téléphone là. C'est bien.
Moi je pars demain. Hop, tu reviens. Vendredi normalement. Oui, je suis sûrement. De quoi? Jeudi. Ah bah je. Bah, je partirai de toute façon jeudi dans l'après-midi et puis je viendrai chez toi. Ouais. Bah si j'ai assez d'essence. C'est ça, je voulais que j'ai pas assez d'essence, tu iras te faire voir. Tu iras à pied? Non. Ou tu frauderas le bus. C'est même pas question de frauder. Là, il est grillé. Pas de frauder. C'est question de la charge. Bah, t'as qu'à prendre la Fiat Ulysse. Elle tourne, non? Ouais. Tu m'as pas dit que t'as dit le conduit sans le permis? Faut pas le voir. Et je quoi? Et alors? Non, tu me conduis sans le permis. Sinon, tu demandes à ton père. Ton père, il sera pas dans. Ah, dommage. Ah, ouais, c'est vrai, il part en fait de moi. C'est pas grave. Hein. Et de toute façon, j'essaierai de venir, mais je suis pas sûr. Parce que. Il va pas accélérer. C'est ma top, ouais. Doucement. Qu'est-ce qu'il y a? T'as oublié ta top? Voilà, ouais. Excusez-moi, parce que là, je pense que ça a dû être un peu mollo pour vous. Vous n'avez pas entendu, vous n'avez rien entendu pendant 5 à 10 minutes. Vu que mon confrère, là, ici présent, n'a pas parlé, je pense. Tu verras ça. Il n'a pas ouvert. Je pense que t'as rien dit, j'ai rien entendu. Tu sais que j'écoute quand même. Hein. J'ai des oreilles. J'en ai deux. Oh, putain, on va aller faire des courses la semaine prochaine, ça va être du coup. Ah non, c'est pas la semaine prochaine, c'est parce que jeudi, il y a au tiroir qui passe là vers chez ma grand-mère. Qu'est-ce que c'est au tiroir? Non. Tu sais, en gros, c'est un camion où dedans ils vendent des trucs. Tu vois, en gros, c'est une caverne d'Alibaba, mais quand tu veux des trucs qu'il y a dedans, faut payer. Bah, de toute façon, maintenant faut tout prendre l'argent. L'argent. Le parc chiche? Non, il n'y a pas de bac chiche. Tant pis pour toi. Youhou, Mamou, il va se prendre un moment. Donc là, ouais, dans un quart d'heure, on va s'arrêter à peu près, un petit quart d'heure. Donc voilà, on va. Bon, je pense que je vais prendre un mur. Nous, on va s'altérer un peu en gros, mais vous la verrez. Sinon, là. Je vais prendre une voiture. Hein? Ah non, il n'y en a pas. Donc nous on va tourner en gros. Et puis vous verrez ça la semaine prochaine. On va faire des petits courriers. Ah putain ouais. C'est vrai qu'en fait on a quand même quelques petites perles dans la cinématographie française. En gros la filmographie, ouais. Ben vous avez compris, en gros, dans tout ce qui est film, c'est vrai qu'on a quelques petites perles. On n'en a pas tant que ça, mais on en a quelques-unes quand même. Non, je crois que Transporteur, c'est même pas français. Non, c'est pas français. C'est américain, tourné par un français. Bah ben oui, parce que il me semble que celui qui l'a tourné, c'est celui qui a tourné Taxi, je sais plus son nom. Mais. Le film en lui-même est pas français, il est franco-américain ce film. Donc, et en partie français, tourné en France, mais par des Américains. Donc ça veut dire quand même qu'on a un bon pays. Oui, de toute façon on a toujours un bon pays, mais. Par contre, je déteste ce virage là qui va arriver. C'est un virage normal. Non. C'est une épingle aussi. Ah, si, c'est une épingle. Moi j'adore. Je déteste surtout avec le. Ouais, moi je trouve qu'il ressemble plus, en fait. Il ressemble plus à une voiture que un Scania ou un je sais quoi. Ah oh, il va bientôt vouloir dormir. Fais gaffe à la prochaine station essence, tu fais dodo. Si t'arrives à une station essence. Parce que sinon on va somnoler tout le long. Vas-y, bah accélère toi aussi là. Je l'ai déjà fait toi, somnoler sur la route. Ouais. T'as vu des vidéos que j'ai fait quand j'étais en Russie?
dans. T'as vu? T'as vu la deuxième plutôt, parce que la première je la remets pas. Mais la deuxième j'ai fait ça tout le long. J'ai pas eu un seul accrochage, mon gars. J'ai fait que somnoler tout le long de la vidéo et j'ai pas eu un seul accrochage. Tu rends compte ça? Ni avec un mur, ni avec une voiture. Ben, je crois. Ou sinon j'ai eu des accrochages, mais pas pendant la période où je dormais en tout cas. C'était énorme. Franchement, je crois que c'est la meilleure vidéo que j'ai dû faire. Ou presque ouais, quand même, il y en a d'autres que j'ai fait de mieux. Les premières étaient bien. Parce qu'en fait, c'est vrai que les premières, en gros, le gameplay était joli parce que je commentais pas. Peu. On va dire que ce que je faisais, c'était. En gros, je répétais toujours la même chose dans les vidéos. Mais en fait, maintenant, en fait, je commente moins. On va dire. Je pense, hein, à mon avis. Maintenant, je commente moins, mais on va dire que le gameplay est plus dégueulasse. Plus. C'est le top, en fait. Non, mais on va dire que, ouais, des fois, en fait, je vais dire des trucs, mais par rapport au jeu, pas par rapport à d'autres choses extérieures. Alors que là, je vais plus extérioriser. Et pas forcément faire attention au jeu et plus. Ah, tu mets tes feux, tu sais que t'as les feux là. Quelle chance, ah, j'ai. Et puis si tu veux, tu peux mettre les feux de route ici. Non, j'ai pas envie. C'est un teubé quoi. Un gros teubé. Si, teubé. Bon, attends, on va regarder. Je voudrais voir où est la prochaine. Et je t'achète aussi à vis. Oh, tu vois, tu t'arrêtes là. Et si ça arrive, et si tu arrives là, en gros, on repère. Moi, je reprendrai là et après, ben, ça dépend du temps que ça mettra pour arriver, t'as compris? Allez, on est parti. On est reparti. Bon, la petite coupure, c'est pour savoir où se trouve la prochaine station de service pour faire les petits doudous. Parce que là, le personnage, il demande qu'à. Arrête de pailler, petit con. Il demande qu'à dormir. Donc voilà, n'hésitez pas si vous trouvez qu'il y a un petit truc à changer. C'est qu'il y aurait un petit truc à changer, ce serait de mettre les téléphones sur le vibreur. Bon, ouais. Ça ouais. On va dire que c'est c'était personnel en fait. On va dire. C'est une. Ah, c'est, oui, mais de toute façon, ça aurait pu être un sponsor qui voudrait. Mais bon, on va pas abuser non plus. Bah, c'est possible. Ouais. Tout est possible. Mais bon, je pense qu'avec 14 abonnés, tu peux pas te permettre d'avoir un sponsor et de bordel. Malgré que c'est possible en fait. Parce que tu peux avoir 14 abonnés et avoir un putain de charisme et tout, et puis qu'au bout d'un an, t'es 25 000 abonnés et tout bordel. Là, oui. Mais bon, c'est pas mon cas. Je fais avec ce que j'ai, avec ce que je suis, et puis c'est tout. Mais bon, aussi, j'essaye de faire pour avoir quelque chose de un peu mieux quand même. Ouh, tu vas avoir un putain de virage après. Oh là là. Oh là là, il va y avoir un gros virage après. Ouais, c'est pas pire qu'au bled, je pense. Hein. Au bled, ils ont des virages tout pourris là. Petit gonfiant. Ah, mais j'avoue, les virages là-bas, ils sont. Surtout dans le jeu. Rappel? Ouais, ouais. Surtout quand je. C'était. En plus, je crois que c'était en Tunisie en plus. Ouais. Le gros virage pourri là. Là où tu t'es craché deux ou trois fois. Attention, c'est pas craché. Bah, tu t'es retourné, c'est pareil. Ouais, parce que je faisais le malade. Et en fait, la Truck Sim Map, je pense que par rapport à la map de base, ou même une autre map plus ou moins compliquée, la seule différence, c'est que la TSM, la Truck Sim Map, c'est vraiment une map où il ne faut pas aller vite. Parce que si on va trop vite sur la Truck Sim Map, on est mort. Ouais, et ça. Par contre, c'est vrai que le désavantage d'une vidéo comme ça, où c'est toi là, c'est qu'un sourd, il m'entendra pas. Pourquoi? Bah, parce que je suis pas sûr de. En gros, il comprendra pas ce que je peux dire parce qu'il m'entendra pas et puis il me verra pas bouger les lèvres. Donc il pourra pas comprendre ce que je dis sur mes lèvres. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, bah ouais. Il va comprendre ce que toi tu vas dire alors que tu vas rien dire. Et tu vas dire ouais, mais putain, alors qui parle ce con? Il dit ouais, mais c'est qui? Il fait quoi? Donc voilà. Mais bon, c'est vrai que ce style de vidéo, c'est peut-être pas trop pour les gens malentendants. Bah, ce que je veux dire, les gens qui arrivent à parler sur les. Parler, à lire sur les lèvres. Mais bon, on va faire avec. Doucement. Mahmoud, il va se prendre un mur. Non. Je le sens bien venir. Eh ben non. Ah, ouais, c'est ça. Je prends pas les murs.
Ah, t'as prouvé. Oh putain, avant, je vais monter la vidéo celle-là, là. Yep. Je la mettrai demain en ligne. Et l'autre, je la montrerai... Bah, tu la montreras en même temps, mais tu la mettras... Soit je la monte demain. Je me casse la tête là pour rien. Tiens, il a déjà bousculé le panneau, il est même pas passé par là. Bon, c'est moi peut-être pourquoi je suis passé la première fois. Ta gueule. Bon, c'est pas grave. On va pas se casser la tête avec ça. Parce que là, en gros, j'ai oublié de faire ça. Ouais. Vous avez rien vu. Si vous l'avez vu, mais. Ah, si ça se peut, tu vas remonter maintenant qu'il est branché. Ah, si tu remontes, regarde. Ah merde, on a passé le temps déjà. Fais chier. Fais chier la bite. Ah, mais t'as quoi avec ta bite? Non, c'est. Non, depuis tout à l'heure, tu parles de bite. C'est une reprise. Mais je l'aime bien cette reprise. Et en plus, je te l'ai déjà montré, le gars qui dit toujours ça. Bah, il dit souvent ça. Je le dis pas toujours, mais il le dit souvent. Là, je suis sûr que tes roues arrière gauche, droite, elles touchent même pas la roue. Même la roue avant d'ailleurs. C'est peut-être la roue avant qui doit moins toucher. Je suis quand même malade là. Putain, heureusement qu'il n'y a personne qui arrive en face, parce que sinon t'es mort. Ouais, je sais. 150% de dégâts. 150% de dégâts. Pour abuser, c'est pas moi qui a pris. Le coup là. T'as pris la moitié de ce que j'ai pris. Oh, un lag. Putain de gros lag. Mais moi ça coupe pas. Comment ça, ça coupe pas? Mon ordinateur s'est pas arrêté. C'est ce que je veux dire. Ah mais ça c'est l'autre PC fixe là. Bah maintenant il pose tout pour bien. Ouais bah là il est tranquille là. Bah, en fait le seul problème qu'il pose c'est à moi mais bon. Rest in peace. Donc voilà, après n'hésitez franchement pas. Franchement je vous dis clairement. Pas à me poser des questions dans les commentaires ou sur Facebook. Alors, on va proposer d'autres jeux. Plus. Non, d'autres jeux, c'est pas très intéressant. Parce que les jeux, après, si ouais, vous voulez que je continue une série que j'ai fait en vidéo découverte, oui, pourquoi pas. Mais ce que je veux dire par là, c'est que les jeux, je les teste et tout ça. Parce que c'est vrai qu'en gros, quand je vois un jeu qui m'intéresse sur un autre YouTubeur, je vais le tester. Si vraiment il m'intéresse, s'il m'intéresse pas, bah voilà, je sais pas. Après oui, peut-être si vraiment il y a un jeu qui m'a échappé et tout, voilà, je vais pas le tester. Un peu comme FSX, c'est pas un jeu que je vais tester par exemple. C'est pas un jeu qui m'intéresse du tout. Parce que déjà j'ai pas. Ça joue pas trop pas très bien au clavier. Et puis que des souris. Voilà. Après peut-être essayer, voir. Mais vraiment. Ah regarde, arrête-toi là. À toi là, non, on va s'arrêter là. On a 25 minutes. On va faire la petite pause, la petite coupure. Donc, on va pas tarder à s'arrêter là. Oui, on va s'arrêter là. Donc, on va faire la petite sieste. Et puis, on recommence tout de suite. Mais vous allez nous voir la semaine prochaine. Donc, mercredi prochain, en direct, en live. Ah non, merde, c'est en différé. Là, c'est Elle est pas abusée. Un live différé. Hein, de quoi? Elle est pas abusée. Elle est pas abusée, quoi? Bah, le live. Ah, le live, ouais. Je peux même pas le faire. Hein. Franchement, c'est bien. Mon ordi est pas assez. Voilà, c'est bon. Donc, et puis, en fait, voilà. Donc, les gars, on va se quitter là. On va changer nos places. Et on se retrouve dans quelques petites secondes pour nous. Mais vous, ce sera dans une semaine. Donc, on se dit à la semaine prochaine. Et puis, à plus. Ciao. Peace.